risque est une matière, bien entendu, qui va déclencher fantasme, peur, anxiété, vulnérabilité, que sais-je encore. Mais c'est ma matière première. Je veux dire, un réassureur, en fait, il traite sa matière première, c'est le risque. Donc, celui qui ne l'aime pas, il faut faire un autre métier. Il y a plein d'autres métiers. Dans la biscotte, il y a moins de risques que dans la réassurance. Master 218, c'est le Master Assurance et Gestion du Risque de l'Université Paris-Dauphine. Il a pour ambition de former des cadres supérieurs qui vont travailler dans le secteur de l'assurance, de la réassurance, du courtage. Un étudiant qui a étudié dans le Master 218, il a fait du droit des assurances, de la gestion des risques industriels. Il a fait des primes d'assurance, de la comptabilité et des assurances. Il a une trentaine de matières qui vont lui donner une idée assez complète de tous les savoirs dont il va avoir besoin dans toute sa carrière dans le secteur de l'assurance et de la réassurance. C'est un master à la fois généraliste, mais généraliste avec la culture Dauphine, c'est-à-dire avec la mobilisation d'un certain nombre d'outils quantitatifs. C'est un master très très professionnalisant qui prépare immédiatement à l'entrée sur le marché du travail. Le master entretient des relations très étroites avec ses partenaires, plus d'une trentaine d'entreprises du secteur de l'assurance qui soutiennent financièrement le master dans l'organisation de son activité et qui ont un accès direct à nos étudiants pour recruter des stagiaires et puis des contrats de première embauche. Donc on est systématiquement à l'écoute des besoins. Moi, je me considère comme en fait un prestataire de services pour ces entreprises-là et en quelque sorte un chasseur de tête. Donc on a des relations très étroites avec nos partenaires. Ça nous permet aussi d'être à l'écoute du marché. Chaque année, je crée un ou deux nouveaux enseignements qui correspondent à des évolutions du marché de l'assurance et de la réassurance et que j'ai calibré avec les partenaires. Alexandre Anance, manager assurance et protection sociale chez TNP, spécialisé dans la transformation des entreprises dans les secteurs banque et assurance, industrie et services. Alors tout à fait, donc à travers les after-work organisés par l'association RIS 218, hein, donc qui permet c'est vrai, des échanges réguliers avec les étudiants et les alumni, mais aussi dans le cadre du partenariat qu'on a pu monter avec le master et donc qui nous permet de proposer un enseignement donc sur les systèmes d'information dans le secteur de l'assurance. Arthus Pironeau, donc je suis un ancien du Master 218, promotion 2008. Après quelques années en réassurance, j'ai monté un cabinet de courtage qui s'appelle SPV et je dirige donc le département IARD. Ça m'a permis, à la fin de mon master en 2008, qui était à l'époque dirigé par Jean-Hervé Lorenzi, d'entrer dans le monde de la réassurance, qui est un milieu assez fermé, et de la souscription en particulier. Donc effectivement, ce master a clairement accéléré ma carrière. Voilà, ravi d'avoir fait, ravi des gens que j'ai rencontrés et des portes et des opportunités que ça m'a ouvert. Je suis Jean-Baptiste Granier, je suis en promo sortante du Master 218 et de Supélec, je fais les deux en parallèle. Et actuellement, je suis à la SCOR, en PNC, en tarification actuariale. Donc j'ai souhaité, depuis le début de mes études, avoir des compétences multiples, pas seulement ingénieur, pas seulement manager, pas seulement risk manager, entre guillemets. Et le Master 218, c'était une prolongation de ces études-là pour moi, d'autant plus que le secteur de l'assurance, c'est le secteur dans lequel je voulais m'orienter depuis déjà le début de mes études, depuis quelques années. Donc ça a été pour moi une prolongation assez naturelle d'aller chercher une promotion, une formation d'excellence en plus de Supélec. Déjà les rencontres qu'elle a permis ont été extrêmement enrichissantes. Non seulement les professeurs, mais aussi les élèves du 218 ont été sélectionnés et ça se voit. Il y a eu une vraie alchimie qui s'est créée et du coup on peut échanger avec à la fois des jeunes comme nous, mais aussi avec des vrais professionnels du monde de l'assurance et du monde professionnel. J'ai un excellent souvenir de toute l'année. La découverte des gens, le week-end d'intégration, le voyage à Hong Kong, la désintégration ensuite, puis le stage où on a continué à rester en contact. C'était une excellente expérience. Ça a été permis parce que les gens ont donné, chacun a donné du temps, a donné de l'énergie pour permettre cette alchimie. Et je donnerai un seul conseil à la promo suivante, c'est profitez-en et faites en sorte que ça marche. Deux choses.
La première, c'est des savoir-faire techniques, parce que la compétence professionnelle, au point de vue technique, c'est le début de la légitimité vis-à-vis de ses collègues. Et on ne peut pas diriger des gens si on n'a pas fait le travail qu'ils ont fait auparavant, jusque dans les petits détails techniques. Ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ce qui est important aussi, ce sont un certain nombre de vertus comportementales, de vertus humaines, de savoir-être au-delà des savoir-faire. Et comme je dis à mes étudiants quand ils viennent le jour du master, je suis là pour les instruire, mais je ne désespère pas non plus les éduquer.